Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis de Penny. Alors tout d'abord, ce que vous devrez faire, c'est parler au personnage Penny. Alors le personnage se trouve à côté de Retyro, donc juste ici sur la map. Donc rendez-vous à cet emplacement, ensuite parlez à Penny pour déclencher la liste des 5 défis. Donc là, c'est ce que je vais faire. Donc là, je parle à Penny et j'accepte le premier défi. Et voilà, donc là, j'ai déclenché les 5 quêtes. Alors maintenant, le premier défi va vous demander de détruire des structures adverses. Donc ce que vous devrez faire, c'est attendre que les adversaires créer des structures adverses. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de farmer les matériaux, ensuite de construire en hauteur pour justement forcer l'ennemi à construire aussi pour vous rejoindre et pour pouvoir vous tuer. Donc voilà, farmer les constructions et ensuite monter en hauteur pour forcer l'ennemi à construire. Donc regardez, là l'adversaire a créé une rampe. Bon, je crois que c'est un bot, alors il va galérer. Et en plus, pour terminer le défi, ben il faut détruire 5 structures adverses. Là, je vois que le personnage, je pense qu'il n'a pas de construction. Ah, par contre, là, c'est un vrai joueur, je crois. Donc, lui, il y a des chances qu'il construise pour me tuer. Ok, je l'entends construire. Je l'ai entendu construire. Donc, déjà, on va détruire cette construction. Ça fait déjà une. Deux, je pense que c'est lui qui l'a construite, celle-là. Ok, ça c'est une construction adverse aussi parce qu'elle est en rouge. Ça aussi c'est une construction adverse. Ça aussi. Ok, donc là, le mec il est là, ok. Ok, je vais détruire cette structure. Normalement ça sera la cinquième, mais je suis pas sûr, on va voir. Ah non, c'est que la quatrième. Donc il faudrait que je le force à créer une dernière structure. Ça a été un peu compliqué. Ok, donc j'ai pas réussi à lui faire construire 5 structures, mais bon, il en reste plus qu'une. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais relancer une partie et je vais sauter dans la première ville qui sera le début du bus. Donc dès que je peux sauter du bus, ben je saute et je vais dans la première ville. Et là, j'attends qu'un adversaire construise une construction pour la détruire et terminer le premier défi. Donc c'est un peu un défi chiant, surtout qu'on veut pas le faire en fort d'empoing, donc c'est un peu plus galère. Ok, donc la première ville, c'est Craigiecliff. Donc la première ville que je vais pouvoir sauter dès que je peux sauter du bus. Donc voilà, en espérant qu'il y ait d'autres personnes qui viennent avec moi. Et pour les forcer à construire, ce que vous pouvez faire aussi, qui fonctionne très très bien, c'est leur tirer dessus, les mettre low. Et là, s'ils ont plus d'HP, en fait, ils vont se sentir en danger et directement, ils vont construire pour se protéger. Donc ça, c'est une bonne astuce. Ok, donc il y a l'air d'avoir pas mal de monde. Donc c'est plutôt cool. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans la première maison là et je vais prendre des armes et essayer de leur tirer dessus pour qu'ils construisent. Au final, il ne me manque plus qu'une seule construction à détruire pour terminer le défi. Et donc là, il y a un personnage. Je vais essayer de l'attaquer pour voir s'il va le construire. Il n'a pas l'air d'avoir construit. Ah, non, il n'a pas voulu construire celui-là. Il n'avait peut-être pas de construction en fait. On va essayer d'attaquer une autre personne. Oh, je l'ai entendu, il y en a un, il a construit. Non, il est chaud pour construire apparemment. On va aller voir. Ok, il est là. Il tire dessus. Je l'ai mis low, mais il n'a pas voulu construire. Dommage pour lui. On va voir un autre. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais rester en hauteur. Ok, il est juste là en dessous. Je vais essayer de rester en hauteur parce que comme ça, il sera obligé de construire un mur ou je ne sais pas quoi. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de maisons, donc il se cache à l'intérieur des maisons. Ça ne facilite pas les choses. Ok, là il a construit. Là il a construit, regardez, hop, je vais lui tirer dessus pour qu'il construise encore. Logiquement, il veut pas construire. C'est incroyable. Bon, après il avait peut-être tout construit, mais de toute façon il a construit 3 rampes, donc ce sera suffisant pour terminer le défi. Donc voilà, un peu galère à réaliser ce défi, mais bon, j'ai enfin réussi. Alors le deuxième défi va vous demander de construire des structures à Craigiecliff. Donc ça tombe bien, je suis à Craigiecliff. Voilà, je suis ici, hop. Donc là, vous allez devoir construire 5 structures pour terminer le défi. Donc c'est parti, 1, 2, ouais, j'ai pas assez de matériaux. Donc je vais collecter du matériau et construire 3 autres constructions. Donc ça devrait être suffisant maintenant. Donc
3, 4 et 5. Donc voilà, ensuite, je vais devoir collecter du métal à Weeping Wood. Attends, ça va pas valider mon défi là. Ah si, c'est bon, ça vient de valider mon défi. Le prochain défi va me... Oh là, j'ai pas le temps. Le prochain défi va me demander de collecter du métal à Weeping Woods ou à Steamy Stack. Donc là, ben, je vais devoir me rendre à Weeping Woods. Donc Weeping Woods qui est juste... Oh là, ça bug. Weeping Woods qui est juste ici. Voilà. À côté de Holy Edge. Et Steamy Stack qui est juste ici. Donc voilà, je vais me rendre à l'un de ces deux emplacements pour collecter du métal. Ok, donc je me suis rendu à Steamy Stack. Et là, ben, y a plusieurs trucs de métal. Donc je vais en casser deux. Pour valider le défi, donc 1, voilà, et 2. Il suffit juste de collecter du métal sur deux accessoires, je pense, enfin sur deux trucs métalliques. Donc là, je vois que ça n'a pas forcément validé le défi. Donc, ah ok, non, en fait, il faut collecter du métal à Steamy Stack et à Weeping Woods. Donc là, je vais devoir me rendre à Weeping Woods pour justement collecter du métal. Donc je vais devoir me rendre à cet emplacement-là. Ok, donc je me suis rendu à Weeping Woods et je vais collecter du métal. Alors, du métal, vous pouvez détruire par exemple le truc là. En fait, c'est un distributeur de boissons. Donc ça, je pense que ça donne du métal. Ou alors la poubelle qui est juste ici. Enfin voilà, tout ce qui est métallique. Enfin bref, quand vous aurez terminé le défi, vous débloquerez des lingots et des XP. Donc maintenant, le quatrième défi va vous demander de toucher les points faibles en collectant. Donc là, ben, vous allez vers une structure, n'importe laquelle, et vous touchez les points faibles pour collecter des ressources et terminer le défi. Donc vous allez devoir toucher 4 points faibles. Donc les points faibles, c'est les trucs ronds que vous voyez. Quand vous tapez, il y a un truc rond qui s'affiche. Il faut taper dessus pour terminer le défi 4 fois. Alors ensuite, le dernier défi va vous demander de faire une émote à moins de 10 mètres d'une structure construite par un allié. Alors ce que vous allez devoir faire... Là, c'est lancé. Moi, ce que je vous conseille, c'est de lancer à 4 joueurs. Donc, vous lancez en quatros. Et là, en section. Donc, vous lancez en section, voilà, comme ceci. Et en fait, vous mettez en comblé. Hop. Donc, voilà, comblé. Et là, vous allez jouer avec 4 autres personnages. Et vous allez attendre qu'un de vos alliés construise une construction pour danser juste à côté. Ok, donc, bien évidemment, suivez vos alliés. Pour pouvoir danser à côté des constructions qu'ils construisent. Donc là, ça tombe bien parce que le personnage, ben justement, a l'air de vouloir compléter les quêtes de Penny. Donc je vais construire une structure pour qu'il comprenne. Après, si vous êtes en vocal, demandez-lui de construire aussi. Je vais lui donner mes matériaux pour qu'il construise. Il n'a pas l'air de vouloir. Ok, donc je lui ai demandé de construire parce que ça faisait 10 minutes que je le suivais. Et maintenant, je vais pouvoir danser. Pour valider le défi. Donc franchement, c'était les défis les plus pénibles que j'ai fait. Ça tombe bien, ça vient de Penny, c'est un rime. Non, je déconne. Non, mais franchement, c'était les défis les plus chiants à faire. C'est ceux de Penny parce que, bah voilà, construction, tic-tac, enfin, tous les défis sont pas ouf. Enfin bref, j'espère que cette vidéo et ce guide complet vous aura été utile. Si c'est le cas, ben, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao. Peace.